Normalement, dans le carbu, ça va suffire à la faire péter. Ça faisait longtemps qu'elle avait pas été à cet endroit-là, cette moto, hein? Voilà. Déjà, pour faire une bonne vidéo, qu'est-ce qu'il nous faut? Je t'explique. Les chaussettes de compétition, ah, toujours offertes par la sister. Bah oui, parce qu'il y en a qui m'ont demandé, mais Johnny, où trouves-tu ces magnifiques chaussettes? Alors, s'il y en a que ça intéresse, la marque, c'est Happy Socks. Les chaussettes heureuses, quoi. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh oui, mon petit Johnny, va falloir se décider. Le message est clair, bro, ouais, ouais, ouais. Il y a un moment où on va pas pouvoir tout garder, d'accord? Là, vous reconnaissez notre 250YZF qu'on vient juste d'avoir. La 250YZ avec le cadre acier et la WRZ qui est juste là. Parmi ces trois motos, on va en conserver deux, d'accord? Et juste avant d'entamer le sujet d'aujourd'hui, je vais vous montrer, j'ai reçu deux colis. Ça vaut le coup d'œil. Le premier colis, il est là. Il est là, bah oui, il est là. Bah, où veux-tu qu'il soit autre part, hein? Il est pas autre part, il est là le colis. Alors, j'arrache ça comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il s'agit d'un petit partenariat, voilà. Avec une marque française, vous allez voir. Hein, comment joue ce bordel là. Attention, la lame du cutter est toute neuve, Johnny. Soyons prudents. Parce que la vie est belle, mais quand même, faut pas se couper les wads. Alors, ouh, regarde ça, les stickers. Oh, c'est beau. Et une petite carte. Oh, et. Salut Jonathan, nous espérons que nos produits de la gamme moto te plairont. À bientôt, l'équipe WD40 France. Eh ben, merci beaucoup. Le message est réceptionné avec beaucoup de plaisir. Voilà. Bon, vous avez compris. Vous avez compris de quelle marque il s'agissait. Oh, les modèles miniatures. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un spécialiste moto lubrifiant chaîne, condition sèche. Alors, malheureusement, à la saison où on arrive dans le gras. Donc, et toutefois, on ne sait pas ce qui peut se passer parce que le climat météo est tellement déréglé. On a ça. Nettoyant frein. Nettoyant chaîne. Ah, bah ouais. Attends. Lustreur silicone, s'il vous plaît, on va faire briller la monture. Moto sirène polish, pour les plastiques, à essayer, nous verrons. Graisse chaîne, conditions humides, ah, là, ça correspond à la bonne saison. Ça, c'est bien. Un spray multifonction, non? Spécialiste moto nettoyant complet. En gros, voilà un chip-chip pour faire du nettoyage. On va déjà commencer avec ces produits-là, on va tester ça. Il en reste un ou pas? Non, il n'en reste pas. Non, non, bah voilà. Alors vous allez certainement, certains d'entre vous vont vous dire, bah c'est un peu light ce qu'ils t'ont envoyé. On essaye juste, hein, d'accord? Et ensuite on voit. C'est très très bien pour démarrer comme ça, pour tester des nouveaux trucs, hein. Et puis bah voilà, moi je suis relativement, il faut dire que je suis relativement récent aussi sur... Ah bah voilà, il est là le bouton. sur YouTube, c'est tout, c'est quand même tout frais, donc on va pas non plus... c'est normal qu'on m'envoie pas non plus des quantités de trucs astronomiques. Enfin bref, deuxième colis, et là, attends voir ça. Y'a pas quelque chose là? T'as vu la taille de la boîte, y'a pas quelque chose? Attends voir. Regarde ça. Alors ça a été emballé à l'arrache. Un petit indice, c'est quelque chose qu'on va mettre dans le camion. Pour gagner en confort. Là, il y a du PQ. Encore du PQ. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un produit de rinçage, de nettoyant. Ah, hop. Deuxième produit. Ah, c'est écrit tout en allemand. Enfin, c'est un truc de nettoyant. Là, vous avez... Eh, y en a peut-être qui ont déjà compris. Tintin. Je vous présente mon nouveau toilette chimique. Qui va aller tout droit dans le camion. Parce que ça, tu vois, hein, quand t'as mal à ton petit ventre et tout, le jour des courses de moto, tu fais comment? Tu vas dans les WAB et tout, un peu n'importe où comme ça? Eh ben non, fini l'inconfort. Faisons place au confort, avec beaucoup de confort. Le toilette Deluxe Mobile WC Enders. Hop là, oh. Regarde-moi ça, là. Regarde-moi ce magnifique chiotte. Regarde ça. Hein? C'est très beau, ça, c'est très beau. Manuel d'utilisation qui est placé au bon endroit, comme ça, dans la cuvette. Ça doit être la graisse d'origine. C'est bien, c'est beau. Bon, c'est juste une simulation, hein. C'est génial, même pour Chérie, là, quand elle va m'accompagner sur les courses de moto, mais c'est super. Même pour partir en week-end, c'est super. Hop, alors, autre chose dont je voulais vous parler, c'est ça. L'additif VP que j'ai récemment utilisé dans les dernières vidéos. On l'a mis dans l'essence pour le 250YZF, donc du coup pour le 4 temps. Full Throttle Response and Acceleration. Ce petit produit,
c'est fait pour lubrifier un petit peu mieux le bloc moteur et pour donner une réponse un petit peu plus franche quand tu mets les gaz. Bon, très sincèrement, en tout cas à mon niveau, j'ai pas vraiment senti de différence. Peut-être que c'est bon pour le bloc, en effet, ça va mieux préserver, ça a un pouvoir de lubrification, je pense. En revanche, pour donner plus de patates à la moto, bon là, faudra repasser quand même. À moins d'être un pilote top du top du top pour sentir l'effet qu'il y a là-dedans, moi personnellement, j'ai pas trop ressenti grand-chose. Vaut mieux mettre son pognon ailleurs que là-dedans. C'est que mon opinion. Ce n'est que mon opinion, ça sera peut-être pour quelqu'un d'autre, ça sera peut-être différent. Enfin voilà, on commence la méca. Je vous explique un peu ce qui se passe pour les motos. Comme vous savez, récemment, on a opté pour l'achat d'un 250 YZF 4 temps. Bon, je me suis rendu compte qu'en fait, au fur et à mesure de l'utilisation, c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins fatigant, c'est moins exigeant physiquement, ça c'est clair. Ça nous permet de tenir plus longtemps sur la moto. Le truc, c'est que mon cœur bat toujours pour le two-stroke. Le 250 two-stroke. Avant de faire le choix de quelle moto on garde, quelle moto on garde pas, j'ai décidé de donner quand même une chance encore aux deux temps. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de cette moto. On va extraire le moteur du cadre parce que de toute façon, on va procéder à des changements d'un petit peu partout. J'ai vraiment envie de donner encore une chance aux deux temps. Oui, oui, parce que le two-stroke fait... Tu t'entends mon cœur qui bat comme ça, c'est... Pim, 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 tim, 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 ba, 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 ba. C'est la vie, c'est l'amour du deux temps, c'est comme ça, c'est beau. La vie est belle, allons tous troquer. Ah oui, tous troquer, c'est sympa. On s'y met tout de suite, rebelote, on se remet dans la mécanique du two-stroke. Hein? Là, sur l'autocollant WD-40, il y a marqué Smart Straw en anglais, c'est la paille. C'est, enfin, là, tu vois, ça veut dire la paille intelligente. Ils sont pas cons, hein, chez WD-40, hein, ça cogite, là, oui, ils sont pas cons, hein. T'entends, moi je suis parti à démonter comme ça, mais faut que je la vidange. Il doit rester un petit peu d'essence. Normalement dans le carbu, ça va suffire à la faire péter. Là voilà, là on est tranquille, monsieur Joule. Oui, oui. En vrai, je crois que c'est là que tu sais quand tu connais une moto par cœur. En démontant, sans te demander, mais bordel, où est-ce que ça va aller ça quand je vais remonter? Non, non, bah ça va, on connaît. Ça va, ça va, ça va, ça va. Un aspect intéressant du cadre en acier, c'est qu'ici, on a beaucoup de place pour pouvoir intervenir sur le carburateur, contrairement au cadre alu où c'est déjà plus volumineux à cet endroit-là. Ah! Et voilà, ça y est, la mob est à poil. Attends, j'ai foutu un petit peu de bordel d'ailleurs. J'ai mis tout un peu en vrac, hein. Mais encore une fois, on est peinard. On sait où ça va. Bah attends, t'as cru qu'on allait qu'on allait laisser ça comme ça? Bah non, 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 non. Que nenni. Enfin, j'ai même mis les pièces dans une caisse. Regarde. Comme ça, c'est nickel, on ne perd rien. Notre pipe, le two-stroke pipe. Voilà. Alors, notre bloc moteur. Attends, on va se mettre un petit peu de lumière parce que ça commence à devenir un peu bresson, là. Ça devient bresson dans le garage. Que spot va-t-il marcher? Alors, ah putain, c'est pas le bon. Qu'est-ce qu'on a à faire dessus? Bon, déjà, on a le joint speed qui est juste derrière le pignon de sortie de boîte ici qui fuit. Vous voyez, il y a tout plein de... C'est tout plein de crasse. On a le piston à changer qui arrive à échéance. Et puis après, on aura justement l'apport d'une pièce spéciale. Mais ça, vous allez le découvrir un petit peu plus tard. Je peux pas tout vous dire maintenant. Ah oui, bah c'est comme ça. Et oui. Hein? Donc là, on va le nettoyer. Et puis on va commencer à démonter tout ça. Et en vrai, j'ai envie de faire un truc de malade. J'espère déjà que le résultat... C'est même pas j'espère, c'est qu'on va faire un truc de malade. Allez. Ah, latex. Ouais, ouais, ouais. Oh, ah, ça, putain, j'en prends partout là. Ah ben oui, mais Johnny, c'est ça les risques, c'est la, voilà, c'est l'amour du risque. Faut savoir souffrir avec le produit. Ah, c'est plus propre, ça biche. Petit cours d'histoire vite fait, le moteur de la 250YZ là, comme ça. C'est le même depuis 99. Ça fait maintenant, alors attends, 2021, c'est encore le même bloc, 22 ans chez Yamaha, c'est le même moteur. Alors, c'est exactement le même bloc de 99 à 2005. Celui-ci là que j'ai, bah alors putain, ça va pas marcher ça cette affaire là. Celui-ci que j'ai ici, c'est un 2005. Je vais vous montrer la différence qu'il y a. Allez ! La seule différence qu'il y a, c'est que jusqu'en 2005, première année où il y a le cadre alu d'ailleurs, ici, au niveau du barillet, c'est neutre.
Sur le carter, à partir de 2006, il y a un petit capteur électronique qui vient se greffer juste ici, qui doit envoyer une information au CDI, blablabla. Enfin voilà, c'est la seule différence qu'il y aura durant ces 22 années d'existence. Sans déconner, elle n'est pas rentabilisée la 250YZ chez Yamaha, hein ? Le cadre à lui en 2005, c'est le même depuis 16 ans. Ah bah impeccable, hein, les mecs ils se sont pas fait chier. Hein. T'as le même moule qu'a fourni au fur et à mesure des années. Voilà. L'avantage qu'il y a, c'est que si tu veux trouver des pièces d'occasion ou quoi que ce soit, très très large, c'est la seule moto qu'il y a sur le marché qui a une longévité où c'est la même moto depuis autant de temps que ça. Est-ce que c'est pas fabuleux ? Ouh ! Ah ! Alors ! Ah voilà ! Hop là ! La vie est géniale d'une manière générale, c'est fou. À part payer des impôts, ça fait chier, mais c'est comme ça. Hop là ! Bon, on va enlever notre cylindre. Bon bah voilà, bon bah notre stompi là, il est bon à changer, hein, on dirait bien. Je vais vous expliquer un petit truc aussi pendant qu'on est ici, sur les 2,5 de temps. Il y a une pratique qui se fait, sur l'YZ c'est quelque chose d'assez courant quand même. Ici, il y en a qui décident de mettre plusieurs joints d'embase, enfin souvent deux joints d'embase, pensant rendre la moto un petit peu plus coupleuse. Si vous faites cette opération, peu importe la cylindrée, enfin peu importe le modèle de moto que vous avez, en 2,5 de temps en tout cas, ou même 300 de temps, ça va pas rendre plus coupleuse votre moto, ça va juste la rendre moins vive. En fait, vous allez lui faire perdre un peu de patate. Vous diminuez un peu le taux de compression, ça change le diagramme, etc. Enfin, et j'avais essayé il y a quelques années sur le 2,5YZ, du coup, je mettais deux joints en base. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte. Je me suis dit, mais la moto, en fait, elle n'est pas plus ronde en bas régime. Moi qui voulais qu'elle soit plus coupleuse, non, c'est juste que ça lui faisait diminuer un petit peu la puissance. Enfin, c'est très léger, hein. Ça reste quand même quelque chose d'infime. Alors, sortons notre joli, et notre petit stompi, notre stompi, on va dégager le stompi. Ah, attends. Notre clip, allez. Oh! Bah tiens, tu vois, pour ça qu'on met toujours le chiffon, on ne sait jamais si le clip décide de dégager et de retomber dans le moteur. Ah, toi tu sais pas, c'est pas toi qui décide, à moins de bien manier l'outil. C'est d'ailleurs souvent ce que Bichette me dit. Bichette me dit, manie bien ton outil, Johnny, s'il te plaît. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà, là, voilà, la cage à aiguille. On laisse tout ça dedans et voilà. Bon voilà, cette fois c'est bon, on a tout désossé. Alors, notre cylindre, bon bah du coup les valves, bon tout fonctionne nickel. On aura juste besoin de le nettoyer parce que c'est un petit peu encrassé quand même. Notre cylindre à l'intérieur, il est propre. Belle chemise, oui, belle chemise monsieur. Bravo, jolie chemise. J'ai enlevé la boîte à clapet, mais ça on en reparlera Johnny. Au prochain épisode, je vous expliquerai exactement ce qui va se passer à ce niveau-là, au niveau de l'admission. Notre culasse ici qui est belle aussi, hein, c'est propre. Bah voilà, c'est propre. C'est génial, prochain épisode, on se retrouve. Bah oui, on va pas tout faire du même bloc. Et puis en plus, ça me rappelle quand j'ai commencé les vidéos là. La lumière commence à tomber, on est obligé d'allumer les spots dans le garage, ça sent l'hiver. Ah, c'est triste. Je n'aime pas cette saison. Non, je n'aime pas cette saison, bordel. Bon, enfin bref, prochain coup, donc on met notre piston neuf, etc. On va remonter notre haut moteur avec 2-3 petits changements. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va commencer à bosser sur la partie cycle de la moto aussitôt, juste après. Ça fait bizarre de la revoir comme ça, tout désossé. Non, on va faire quelque chose de bien, parce que là, en plus, je suis bouillant. Le fait d'avoir remis les mains dedans, ça donne grave envie de faire un two-stroke qui fait pim, 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 et qu'on a envie de faire craquer presque tout le temps. On se retrouve très vite. Soyez au rendez-vous. On va finir là-dessus. La vie est belle. Allons rouler. Allez, ciao les jeunes. Ah Johnny, t'arrêtes pas, je lui dis bordel. Bien sûr que si, je veux tout niquer.